Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un répéteur qui m'a été envoyé par la société TP-Link. Ce répéteur est le TP-Link RE450. Alors, qu'est-ce qu'un répéteur ? Un répéteur va vous servir à répéter votre signal Wi-Fi. Vous avez par exemple une maison très grande à étage. Grâce à ce répéteur, vous allez pouvoir répéter votre signal Wi-Fi dans les étages. C'est-à-dire que si vous avez votre box dans le salon, vous allez pouvoir répéter le signal Wi-Fi dans les différents étages de votre maison. Mais pas que, puisque si votre maison est plutôt longue que haute, avec des murs épais, vous allez là aussi pouvoir répéter votre signal Wi-Fi, avoir un meilleur réseau Wi-Fi grâce au TP-Link RE450. AC1750 Dual Band, c'est un répéteur de bande 2,4 GHz et 5 GHz. En 5 GHz, on va quand même être à 1300 Mbps. Et lorsque vous allez vous positionner sur le 2,4 GHz, vous serez donc à 450 Mbps. Alors ce répéteur, pourquoi je l'ai choisi ? Déjà, il possède 3 antennes et pour sa simplicité de connexion. Alors, on est sur un carton rectangulaire avec les différents specs sur les côtés. À l'arrière de la boîte, on voit donc une maisonnette avec le principe du répéteur, comment vous pouvez donc étendre votre Wi-Fi. Tout en bas à gauche, vous avez donc un code QR. Et grâce à ce code QR, vous allez pouvoir télécharger une application entièrement compatible iOS, Android. Alors c'est un répéteur quand même très puissant, à deux bandes. Donc sur le côté, vous avez aussi la possibilité de scanner un code QR pour télécharger votre application suivant votre plateforme. Allez, on va tout de suite ouvrir cette petite boîte et on va sortir notre répéteur RE450. Donc c'est un carton classique avec donc à l'intérieur différentes notice pour que vous puissiez l'installer sans aucun problème. Donc on a les notices en français. Alors pourquoi je vous présente aussi ce répéteur, c'est que il est compatible toute box, Orange, Free, Bbox, etc. Et grâce à ce répéteur, vous avez une fonction très simple, très pratique, qui est donc le WPS. Le WPS est un système de connexion ultra rapide sans avoir besoin de grosses manipulations. Voilà donc notre répéteur TP-Link RE450. Alors je vous le présente. Sur le côté, on a donc une antenne côté droit, une antenne côté gauche. Et à l'arrière, vous allez trouver un petit bouton poussoir qui va sortir une troisième antenne, les amis. Je peux vous dire que là, à ce moment-là, quand vous avez sorti les trois antennes, vous avez donc un réseau Wi-Fi qui est ultra propulsé. Alors, ce répéteur est très simple puisque vous allez le brancher sur une prise murale et vous n'aurez pratiquement rien d'autre à faire. Sinon, vous avez donc ce gros bouton qui est le bouton WPS qui, lui, va se charger de se connecter automatiquement à votre box si, bien entendu, votre box est compatible WPS. Elle devrait elle-même comporter un bouton WPS. Vous appuyez sur ces deux boutons et les appareils vont se communiquer ensemble seuls. Le répéteur va récupérer en fait la clé web de votre routeur et vous allez pouvoir vous connecter sur votre TP-Link sans problème en 2,4 ou 5 GHz. Alors l'avantage avec le 2,4 et le 5 GHz, c'est que certains appareils n'acceptent que le 2,4 GHz. Telles que les ampoules, telles que les caméras connectées. Étendre votre Wi-Fi peut aussi vous servir d'amener, par exemple, des caméras à l'extérieur, à l'autre bout de votre maison. Donc, répétez votre signal Wi-Fi, l'amplifiez pour avoir un peu plus de possibilités Wi-Fi. Juste dessous, on va avoir des LED qui vont nous montrer le bon fonctionnement de notre répéteur TP-Link. Si le 2,4 GHz est utilisé, si le 5 GHz est utilisé et si l'appareil est allumé. Côté droit de l'appareil, on va avoir deux boutons. Le bouton Power, qui va bien sûr allumer notre appareil. Le bouton pour éteindre les LED, parce que, en fait, au niveau de la devanture, si vous avez mis, par exemple, le répéteur dans un couloir ou dans votre chambre,
la nuit, ça peut être dérangeant. Donc vous allez voir qu'avec ce bouton, on peut éteindre les LED, c'est plutôt sympathique. On peut s'apercevoir ici qu'on a un tout petit trou sur le côté droit, juste au-dessus de ces boutons, pour faire un reset de notre appareil. Et sur le côté gauche de l'appareil, une connexion RJ45, puisque une fois que vous aurez connecté votre TP-Link à votre box, vous allez pouvoir mettre un câble RJ45 et le connecter directement à votre ordinateur. C'est pas cool ça ? Allez, on va tout de suite le mettre en place, on va le brancher au mural et vous allez voir le principe de connexion. Comme c'est tout simple, il n'y a même pas besoin d'être ingénieur. Vous appuyez sur le gros bouton, vous appuyez sur le WPS de votre box et ils seront connectés en moins de 5 minutes. C'est parti. Alors, lorsque vous allez brancher votre répéteur, pensez bien à mettre les trois antennes. Et maintenant, on va tout de suite connecter notre répéteur. Voilà, donc une fois que vous allumez votre répéteur, vous avez donc toutes les LED qui se mettent à clignoter. Pour la connexion facile, vous n'avez qu'à appuyer sur le gros bouton rond pour activer le WPS. Une fois que vous avez appuyé sur les deux boutons, vous laissez la magie opérer. Le TP-Link va se charger de se connecter seul à votre box. Pour l'instant, le 2,4 et le 5 GHz sont éteints, le répéteur n'est pas encore connecté. Une fois que la magie a opéré, donc le gros bouton d'en haut ne clignote plus. Et on peut s'apercevoir que, il veut dire que la connexion s'est correctement déroulée. On peut configurer le répéteur plus finement en téléchargeant l'application iOS ou Android. On va faire tout de suite et voir les réglages que l'on peut mettre sur le répéteur puisqu'on peut autoriser, on peut voir quel appareil est connecté sur notre répéteur. On télécharge tout de suite l'application, c'est parti. Voilà, donc pour télécharger l'application, vous allez derrière la boîte de votre TP-Link, vous ouvrez l'appareil photo de votre smartphone et vous scannez le code QR. C'est parti. Code QR de site web, ouvrez TP-Link, comme dans Safari, pièce jointe. Ici, ça vous dirige tout de suite sur l'App Store pour télécharger l'application et gérer votre répéteur TP-Link. TP-Link TT. Donc ici, vous avez l'application TP-Link TT en tête. Alors, qu'est-ce que cette application ? TP-Link TT fournit le moyen le plus simple d'accéder et de gérer votre routeur, routeur XDSL, répéteur TP-Link depuis vos appareils mobiles. De la configuration rapide au contrôle parentaux, TT fournit une interface utilisateur simple et intuitive pour visualiser l'état de votre appareil, les périphériques clients connectés et leurs privilèges. Donc, grâce à cette application, vous allez pouvoir gérer tous les appareils connectés sur votre réseau, ainsi que le contrôle parental, la mise à jour de votre appareil. Ouvrir. Bouton. On va tout de suite l'ouvrir. Avertissement. TT souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local et s'y connecter. Donc ici, on vous demande de rechercher bien sûr que oui. C'est à pour refuser. Bouton. Ok. Bouton. Alors ici, quelque chose d'intéressant. Autorisation de réseau local requise. Autorisation de réseau local requise. Pourquoi cette question ? À partir d'iOS 14, les applications qui recherchent des appareils sur le réseau local auront besoin d'une autorisation pour trouver et se connecter aux appareils du réseau local. Donc comme vous pouvez voir, là avec iOS 14, on a en plus une sécurité par rapport au réseau local et ça c'est vraiment cool. Sans accès au réseau local, vous ne pourrez pas configurer et gérer les appareils localement. Étoile, si l'autorisation n'est pas encore donnée, veuillez accéder aux paramètres pour l'autoriser. J'ai déjà donné l'autorisation de réseau local. Bouton. Donc ici c'est ce que j'ai déjà fait, donc je le valide. J'ai déjà donné l'autorisation de politique de confidentialité et conditions d'utilisation. On a donc une politique à accepter. Radio Circle. Bouton. Alors, bouton radio, on le valide. Sélectionnez les conditions d'utilisation. Lien. J'ai entièrement lu et accepté les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation. Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur. Lien. On peut donc accepter le programme d'amélioration, ce que je vais faire tout de suite aussi. J'accepte de rejoindre le programme d'amélioration. J'accepte de rejoindre le programme refusé. Bouton. J'accepte. Bouton. Et j'accepte. Alors, bien sûr, comme toute application de ce genre, il va vous falloir créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide chez TP-Link. Ce que je vais faire tout de suite, c'est parti. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte et que vous rentrez dans votre application TTR, il va donc falloir rechercher le TP-Link RE450, c'est parti. Tout de suite, on voit que l'appareil a été trouvé. Appareil local, RE450, 3C84A6A, CCE, C40. On va se connecter tout de suite
à notre répéteur. Connexion ARE 450, point de suspension. Comme vous pouvez entendre, l'application est quand même très accessible via le VoiceOver. Créer un compte local, connecté à RE 450. On est donc maintenant connecté au RE 450. Créer un mot de passe local pour gérer votre appareil, en tête. On peut donc créer un mot de passe local pour gérer l'appareil. Alors je vais en créer un et on continue la vidéo. Une fois que vous avez créé votre mot de passe local, vous terminez bien sûr. Terminé. Et votre appareil se connecte. Vous pouvez brancher le répéteur un peu plus loin du routeur /box pour maximiser la couverture. Alors ici, on a ce message qui est sympathique puisque on nous dit qu'on peut brancher le répéteur un peu plus loin de la box pour élargir encore un peu plus la couverture. Ça c'est cool puisque dans les paramétrages de notre TP-Link, on a la possibilité de savoir si on est assez loin de notre box ou pas. Livebox 46C4, 10 cercles noirs. Tout en bas, nous avons trois onglets. L'onglet accueil, client, onglet, l'onglet client, outil, onglet, 3. Et l'onglet outils. Si je rentre dans outils, j'ai accès à tous les paramètres de mon répéteur TP-Link. Paramétrage rapide. Alors j'ai accès au paramétrage rapide. Réseau étendu. Réseau source. Assistant de localisation. Partagé Wi-Fi. Contrôle LED. Mode opératoire. Contrôle LED. Alors comme on a dit en début de vidéo, si votre TP-Link est dans un endroit comme par exemple un couloir en haut dans vos chambres ou directement branché dans une de vos chambres, avec le bouton qui se trouve sur le côté droit, on peut éteindre les LED. Ce qui permet d'avoir un répéteur qui n'éclaire pas ou qui illumine pas votre chambre. Ou l'éteindre. Et ça, c'est vraiment un petit avantage bien sympathique de ce répéteur. Contrôle LED. Vous pouvez aussi gérer cette fonctionnalité directement à partir de l'application. On a le mode nuit. Lorsqu'elle est activée, les voyants s'éteignent automatiquement pendant la période spécifiée chaque jour. Voilà donc, si vous activez le mode nuit, automatiquement, les LED s'éteindront à l'heure que vous l'avez demandé. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Assistant de localisation. On a donc aussi un assistant de localisation. Cet assistant de localisation va vous permettre de trouver le meilleur emplacement pour votre répéteur. Trouvez le meilleur emplacement pour votre répéteur Wi-Fi en vérifiant la force du signal reçu du routeur. Alors comme vous pouvez entendre, super accessibilité, ça vous permettra aussi, en toute accessibilité, de pouvoir gérer votre répéteur, votre signal Wi-Fi, où que vous soyez dans votre maison. Vérifiez le signal. Donc on a un bouton tout en bas, vérifier le signal, ce qu'on fait tout de suite. Annuler. Force du signal en cours de vérification, point de suspension. Le répéteur Wi-Fi est idéalement positionné. Signal parfait. Et voilà, on me dit que j'ai un signal parfait là où j'ai positionné mon répéteur. Franchement, j'en suis ultra content. Ça, c'est vraiment génial puisque on peut, suivant la distance, savoir si on est bien positionné avec notre répéteur. On peut aussi gérer les appareils qui sont connectés sur notre réseau. Client 5 GHz, 1. En droite, FDA 94 et 28e, 28 000. Client bloqué, 0. Client bloqué, 0. On peut aussi bloquer des clients si vous apercevez que sur votre réseau, un appareil est connecté que vous ne connaissez pas. Détective Wi-Fi, en tête. Vous avez donc un mode détective Wi-Fi. Réseau actuel. Découvrir. Découvrir. Découvrez tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi actuel et identifiez les risques potentiels. Donc grâce à ce détective Wi-Fi, il va passer en revue tous les appareils qui sont connectés sur votre Wi-Fi. Et si vous avez un doute sur un appareil, vous allez pouvoir le bannir. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Sélectionnez Livebox 46C4-5G. Voilà, donc une fois que vous êtes une fois qu'il a reconnu votre box, vous vous connectez dessus, comme d'habitude, à partir de votre smartphone. Et c'est parti. Voilà, cette vidéo est terminée pour la prise en main du TP-Link RE450AC1750. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.